amis, jeudi, c'est lundi 14 octobre 2024. C'est avec un pile plaisir que nous, là, encore une autre fois, juste pour nous capables de permettre que vous étiez bien informés. Déjà, je vous abonne à votre chaîne, super professeur, et activez la cloche de notification. C'est l'unique façon ça que vous êtes capable de recevoir une alerte à chaque nouvelle vidéo. Et pas oublier de cliquer un like sous vidéo ça. Pour faire ça, c'est pas un bagage qui est compliqué du tout. Vous pouvez marquer une icône qui semble avec un pouce. Vous pouvez juste cliquer sur lui, juste pour capable de liker vidéo ça. Et pas oublier, vous êtes capable d'inscrire comme mon channel ça. Vous êtes capable de cliquer sur le bouton rejoindre là, juste pour capable bénéficier en pile avantage. Nous souhaitons passer une très très bonne journée. Généralement, les gens, mesdames et messieurs, élection dans le pays États-Unis, pas manquer trop de temps, manquer seulement environ quelques semaines pour que l'élection soit capable de dérouler dans la coupe pays, les États-Unis, entre le candidat républicain qui c'est Donald Trump et candidat démocrate qui c'est Kamala Harris. Et en pile monde t'a souhaité ouais que c'est Kamala Harris qui t'a arrivé marquer l'histoire pour ta venir première fille qui président pays ça. Comme ça tout sur l'autre bord, il y a en pile monde qui t'a souhaité ouais que c'est Trump qui t'a président encore une autre fois pour un autre 4 mandats comme étant président pays États-Unis. Et bien, mesdames et messieurs, comment question sondage joué dans moment que n'a parlé là. Et bien c'est ça qu'on va expliquer juste pour nous capable gagner une idée. Comment que course à la présidentielle là, est vraiment serré entre Kamala Harris et ancien président Donald Trump? Eh bien, dans un sondage de NBC News, eh bien, Donald Trump lui-même est à l'égalité avec Kamala Harris. Je n'ai pas regardé dans l'image là, c'est comme ça que le sondage lui-même représente, mesdames et messieurs. Je n'ai pas regardé pour nous dans le mois d'octobre 2024 là, comment le sondage lui-même lié entre Kamala avec Donald Trump, nous voyons que c'est 48% contre 48%. Entre républicains avec démocrates. Et bien, mesdames et messieurs, nous allons inviter nous suivre cette vidéo ça, pour que nous soyons capables de gagner une idée de comment que sondage même entre Kamala Harris avec Donald Trump à comment que sondage même était auparavant. On nous suivre cette vidéo ça ensemble avec nous. Numbers say it. It is a tie game here weeks before the election, and it's that shift. Our last poll taken in the wake of that September debate, Harris had opened up that advantage over Trump. Gone in our new poll. What goes into that? What's behind that? I think this one is revealing. This is the basic perception voters have of these candidates. Is it positive? Is it negative? Now, these are not great numbers for either one. Trump 43 positive, 51 negative. He's 8 points underwater, you might say. But look at Harris. Exact same positive score and that negative number almost in the exact same place. And this is it. The last time we polled this question after that debate, Harris had really made up ground in this area. Look, she had a positive rating, 48 to 45. So that advantage has all in the last few weeks in our poll washed away for her. Then there's some issues, some characteristics here. These are advantages in red here that you see for Trump now versus September. On the immigration and the border, we ask voters who would be better on this in September. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça que résultat est même sorti tout de suite après sondage national ça qui était réalisé par NBC News. Côté que Trump lui-même, raison qui cause que le pourcentage de lui-même vient augmenter, sondage était toujours prouvé que course la série entre Kamala avec Donald Trump, mais il vient à l'égalité. Eh bien, raison qui cause que le pourcentage Trump lui-même est monté, eh bien, c'est en raison de quelques supporters républicains qui décident de prouver que il voulait réellement camper des Trump pour élection cap vini là. Eh bien, c'est pour raison ça qui cause que, non moins que n'a parlé là, pour le dernier sondage national ça, eh bien, il prouve que il y a égalité entre Trump avec Kamala Harris. Eh bien, j'aime dire la sondage ça lui-même est fait à environ 3 semaines de déroulement élection dans le pays États-Unis, côté que popularité Kamala Harris est vraiment baissée comparativement avec Jean sondage lui-même qui était prouvé avant ça. Mais comme étant donné, lorsque moun yo même y a voté, eh bien, pral gen yon bagay ki pral fèt ki différent comparativement avec jan résultat yo même yo te sorti lors de sondage qui te fait que moun yo même yo capable gagner une idée de comment résultat yo même yo pral lié après déroulement scrutin. Kote ke gen 10% électeur yo qui déjà fait konnen que lors de déroulement élection yo, eh bien ça capable rive que yo change d'avis. Si vous fois gen pour voter pour Trump, eh bien yo capable voter pour Kamala. Si vous fois gen voter pour Kamala, eh bien, ils sont capables de changer d'avis et que ils votent pour l'ancien président Donald Trump. C'est ça que 10% électeurs t'a déclaré en ce qui a trait avec question de changement d'avis dans le déroulement scrutin. Et jusqu'à présent, il y a une quantité de monde qui a une incertitude sur qui est directement qui va voter. Est-ce que c'est Kamala Harris
ou bien est-ce que c'est des Trump que yo pral camper dans idée pour capable placer un nouveau président pour l'autre 4 années encore dans la pays les États-Unis. Et sondage ça qui était réalisé par NBC News là, et bien c'est un sondage qui était fait du 4 au 8 octobre. Et bien il est bel et bien différent de sondage qui était fait dans mois de septembre là. Côté que Kamala Harris lui-même, il était gagné 5.2% d'avance sous ancien président Donald Trump. Sondage prouve que Kamala Harris lui-même a gagné avantage là sous Donald Trump parmi électeurs noirs. Il a gagné 84% et dans ce qui a rapport avec jeunes électeurs qui âgés de 18 à 34 ans, 57-37% et électeurs blancs qui diplômés de enseignement supérieur, 55.41%. Et ancien président Donald Trump lui-même, lit en tête dans ce qui a rapport avec électeurs ruraux, 75.23%. Et Trump lui-même, lit en tête avec électeurs blancs, 56%. Et gain blanc qui sans diplôme universitaire, eh bien, en majorité cap supporté Donald Trump, gain 55% cap supporté ancien président Donald Trump dans ce qui a rapport avec blanc qui sans diplôme universitaire. Pour l'élection présidentielle, mesdames et messieurs, eh bien, démocrates et républicains, ils ont à l'égalité dans ce qui concerne préférence pour le Congrès. Il y a 47% électeurs inscrits qui préfèrent pour que le Congrès lui-même soit capable de diriger par les démocrates. Et il y a 47% également qui t'a souhaité que ces républicains, eh bien, qui t'a gagné le contrôle du Congrès. Ils ont à l'égalité dans ce qui a à voir avec préférence pour le Congrès. Et démocrates, même dans le mois de septembre, ils ont gagné une avance de 2 points, qui c'était 48% contre 46%. Ça veut dire que la course lui-même continue très très serrée et c'est l'élection qui est plus serrée dans l'histoire du pays, les États-Unis. À cause de façon ça, eh bien, ça veut dire que presque pas qu'à déterminer est-ce que c'est républicain qui pourra prendre le pouvoir ou bien est-ce que c'est démocrate qui pourra être capable de continuer sous pouvoir, mesdames et messieurs. Eh bien, mesdames et messieurs, lors d'un rassemblement que l'ancien président Donald Trump a organisé en Californie, eh bien, information même t'a fait quoi que Trump lui-même a subi une troisième tentative d'assassinat. Eh bien, jour qui était samedi, mesdames et messieurs, eh bien, il a arrêté un monsieur aux environs de zone ça même qui s'est coaché là. C'est dans un endroit ça même que l'ancien président Trump a organisé rassemblement en Californie. Eh bien, on t'a pas arrêté, monsieur. Eh bien, suspect là, lui-même, il était présenté comme un monde qui vit dans Las Vegas, qui a 49 ans. Eh bien, non lycée 20 000 ans. Eh bien, il était en possession d'un fusil, d'un pistolet qui chargeait et d'un chargeur qui a une haute capacité dans la machine. Il a été arrêté, suspect là, bien avant que l'ancien président Donald Trump lui-même, il était arrivé sur les lieux. Et il a été arrêté en possession de une machine qui a une faux plaque immatriculation. Il a gagné plusieurs passeports dans même qui étaient sous nom différents et puis il a gagné plusieurs armes à feu dans même qui étaient vraiment chargées. Et bien il y a FBI, service secret et ministère de la justice qui déjà fait connaître que enquête là lui-même la poursuivre pour que capable gagner plus idée de qui intention que monsieur ça lui-même il a gagné à quelques autres détails encore. Et bien yo pral chercher connait à l'aide de bon enquête que yo pral continuer poursuivre sous monsieur ça qui a gagné toute bagage ça dans même aux environs de endroit ça que Trump lui-même il t'a organisé rassemblement dans Californie. Côté que suspect là lui-même, il t'a pas libéré sous caution contre 5 000 $ et il va gagner pour lui paraître devant un tribunal dans date qui c'est 2 janvier cap fini là. Et je connais déjà ancien président Trump lui-même était déjà subi 2 tentatives d'assassinat qui c'était à Butler en Pennsylvanie, également il t'a pas subi une deuxième tentative d'assassinat lors de l'autre rassemblement que t'a organisé. Et bien ça vient cause que ancien président Donald Trump lui-même il a multiplié sécurité d'une façon pour capable qu'il sain et sauf. Également mesdames et messieurs, lors d'un rassemblement démocrate qui était fait dans Phoenix, t'as pas un grand acteur célèbre ça lui-même qui c'est Bryan Cranston qui gagne plusieurs films à succès, et bien il t'a pas décidé porter contribution, il t'a pas fait connaître que il pourrait porter support lors de l'élection ça yo à Kamala Harris. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est un nouveau soutien que Kamala Harris lui-même l'y joigne à seulement environ quelques semaines de déroulement élection dans le pays, les États-Unis. Lors du rassemblement ça qui était fait dans Phoenix, Arizona, eh bien, c'était dès lors que acteur célèbre ça, qui c'est Bryan Cranston, il a pris la parole pour le faire connaître comment il pral camper derrière Kamala Harris. Et d'après la déclaration que Bryan Cranston lui-même a fait,
Et bien, tu as fait connaître que il pas un homme politique, il pas un avocat, il pas un docteur, même lorsque il joue rôle ça devant caméra, mais il c'est papa une petite fille. Quand elle t'a pas déclaré que vie actuelle petite fille là important pour lui et également vie future lui. Non seulement pour lui-même, pour l'autre père de famille qui gagne, et bien tout le monde doit bénéficier pendant vie yon droit fondamental de liberté de choix. Et bien mesdames et messieurs, on nous suivre petit coup de vidéo ça ensemble avec moi côté que li t'a parlé. Eh bien, mesdames et messieurs, c'est comme ça que l'État parlé. N'a pas qu'on est que dans l'élection 2016, yo, acteur ça lui-même, l'été soutenu Hillary Clinton. Et n'a pas qu'on est que acteur Bryan Cranston lui-même, n'est pas premier superstar qui campait derrière Kamala Harris. Gain également Bruce Springsteen, Katy Perry, Beyoncé, George Clooney. Mais soutien qui était plus important, c'était Taylor Swift. Eh bien, dans le mois de septembre qui s'est passé, eh bien, il était déclaré que l'Ibral campé de Kamala Harris. Pour dire que l'Ibral qualifié candidat démocrate là de yon guerrière, de yon moun qui prêt pour que l'Ibral capable mener bataille là pour que l'Ibral gagne l'autre Amérique. Et c'est comme ça que, mesdames et messieurs, que Bryan Cranston lui-même l'Ibral fait qu'on est que si toutefois Américain voulait gagner un pays qui a dirigé dans le calme, qui pas gagne chaos, si toutefois vous avez gagné un dirigeant qui est stable, très droit, eh bien, vous avez intérêt pour que vous soyez capable de voir Kamala Harris Al-Chita sous chaise Maison Blanche et puis qui fait marquer l'histoire comme étant première fille qui est président pays. Passez une très très bonne journée. C'était un plaisir pour nous desservir.